Du coup, on est reparti donc sur American McGee Alice. Du coup, un petit résumé rapido. Donc, c'est le jeu qui est sorti avant Alice Madness Return. C'est une sorte de préquel qui est sorti dans les années 2000, si je dis pas de bêtises. Et voilà, Alice, après avoir perdu tragiquement ses parents dans un incendie, retourne au pays des merveilles, mais le pays des merveilles a complètement changé et est devenu, voilà, il est un petit peu, c'est comme si le pays des merveilles était malade. Enfin, on sait que c'est un petit peu lié avec son esprit, etc., parce que c'est dans sa tête. Et on essayait, alors au début on a suivi le lapin, et là je sais plus où on en était. On devait faire quoi? Ah oui, on était arrivé à un endroit. Donc en gros, le but du jeu, c'est de sauver les merveilles, qui part de plus en plus en cacahuète totale. En gros, voilà. Si vous voulez un résumé extrêmement rapide. Hop, alors. Et on avait entendu. Il est long le jeu. Alors, j'avais regardé la dernière fois. Je crois que je suis. Je suis pratiquement à la moitié, non? Oh, bonjour! Merde. Bam. 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 Allez, ça dégage. Voilà. Ça, c'est fait. Mais Iripop. Ah, peut-être c'est barré. Hein. Il a pas fini en compression. En compression zip, ouais. C'était très drôle. C'était un peu triste, mais très drôle. Je devais aller au niveau. Ah oui, alors là, je peux retourner là où j'étais la dernière fois. C'est ça, Akane. Hein. Donc là, on avait entendu un oracle. Oula. Qui nous avait dit je sais plus quoi. Ah si! Ça y est, je me souviens. Ah, c'est chiant ça! Ah, mais non, mais c'est super chiant! Coucou Miku, tu vas bien? Vous avez dit qu'il fallait qu'on récupère l'arme du Jabber Wookie. Je crois. Eh bien, donc. Pour pouvoir ensuite aller tuer la reine, hein, tout simplement. Hein. La reine rouge, hein. Et donc là, on va. Est-ce qu'on va vraiment en carte? Bah, le bâton, ouais, du bredouloche, exactement. Mais du coup. Je suis pas censée récupérer l'arme avant d'y aller? Si, si, faut que j'aille quand même. J'ai fait demi-tour, super. Je suis pas censée récupérer l'arme avant d'aller dans le truc des échecs. Oups. C'est une suite. Alors non, c'est pas une suite de Alice Madness, c'est une préquelle. C'est une préquelle. Donc c'est à peu près avant. Enfin non, c'est pas avant, c'est une première version en fait de Alice Madness, si tu préfères. Majestic Mars. Alors attends, je suis perdu. Oui bah de toute façon. Non, attends. Je viens d'où? Je viens de là, hein. Bah non, pas Rim. Ah non, si, oui, c'est pas Rim. Ok. Voilà, j'ai perdu. Ah mais le bredouloucheux, c'est la VF de Jabberwocky. Ah d'accord. J'avais pas compris ça, moi. Ok, donc c'est par là. Ah, c'est bon, on a trouvé. Heureusement que t'es là, Khan. Ok, donc c'est par là. On va aller récupérer du coup. On avait récupéré un premier morceau de l'arme. Puisque tu sais comment bouger les pièces, autant prendre les blancs. Il joue en premier. Un tel ordre au milieu du chaos me laisse perplexe et désorienté. La régularité du plateau dissimule la nature prédatrice de certaines pièces. Je peux prendre les blancs du coup? Je peux jouer? Par contre, les dialogues sont vraiment bien. Alors, vous, je vais vous dégommer. Aïe! Non, j'ai dit je vous dégomme. Et dès qu'il y a une butte, j'arrive plus à les viser. Quand tu veux. Bah, il m'attaque pas. Aïe. Ah bah si, finalement. Mais genre, d'où il est toujours pas mort? Ah quand même. Putain, il me faut du soin par contre.
Apprendre à sauter. Et coucou Apo, tu vas bien? La langue du père Fouras. Si les dialogues sont cool, je trouve. Ils sont très, très poétiques, très recherchés, comme dans Madness, pour le coup. Ah, c'est les pièces rouges. Putain, j'ai plus de mana, déjà. Attends, où sont mes cartes? Vla. Non, mais j'ai plus de mana. Toi? Aïe. Bon, d'accord. Attends, ça c'est pour tout cramer. Ouais, on a 40 000 âmes. Armes. Bah, ça lui a rien fait. Oh, il m'emmerde lui là. Mais non, mais fais pas ça, ça sert à rien. Putain. Pourquoi ça prend. Ah, c'est bien ce que je peux mettre derrière en vrai, c'est pas si mal. Viens là! Allez! C'est bon? Eh ben quand même. Bon, d'accord. Bon, lui, je vais arrêter. Je vais arrêter d'essayer. Vous verrez que ce n'est pas un jeu évident. Hein. Ah, je l'ai one shot. Ah ouais. Ah bon. Bon, en vrai, c'est ça, je l'ai tué. On va avancer direct. Pas vraiment un remake, mais plus l'histoire de base, puis Madness la suite. A mis de la logique dans l'histoire. Ah, du coup, maintenant, c'est quand même une suite. J'essaie, je comprends plus rien. Oh, coucou Mélipro, tu vas bien. Le pays du miroir. Royaume blafard. Dit de façon théâtrale ou romanesque, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ça rend si bien. Ah, le monde a perdu ses couleurs. Moi aussi, du coup? Oula. Ah non, moi je suis en couleur. C'est rigolo. Et merde, voilà, par contre. Ça, c'est relou. Je sais pas pourquoi. Ma souris, dès qu'il y a une cinématique. Ou des fois, même quand il n'y a pas de cinématique, elle sort du jeu. On la connaît, cette musique. Ah, il s'en va, les steaks! Il est pas méchant? Ah non, il est pas... Bonjour. C'est un fou! J'ai juste fait sauter le pont de chez moi avec la bouilloire. Avec la bouilloire. Ah merde! Oh, je suis une pièce! What the fuck? Et du coup, je peux me déplacer qu'en diagonale. Bah oui. Putain, c'est rigolo. Faut que j'aille où? Oh là, il y a un trou, on va éviter d'aller dedans. Allô? Putain, c'est marrant. Ah, c'est original, ouais, carrément, ouais. Ouais, je crois qu'il y a des endroits où il y a des trous, en fait. Où? Faut que je fasse gaffe à où je passe. Genre... Ah ouais, mais là... Et là, il y a des trous partout, comment je fais? Il y a un trou devant moi, là. Il y a pas de case blanche. Ouais, mais je peux pas. Ouais. Oh oh. Bah ouais. Parce que... Ouais, non, mais s'il y a des trous tout le long... Je comprends pas comment je suis censée passer. Ah, mais si. Oh, mais je vois d'ici comment j'aurais pu passer. Je suis bête. Ok, j'ai compris. Ok. Tac. Voilà. Tac. Là, je vais là. On va faire un petit F4 avant qu'il nous arrive un malheur. Là. Là. Ah, moi, je me suis résigné. Et je suis allé vers la mort. Oh, je sais pas où aller. Bah, je meurs. Voilà. C'était easy en plus, hein. Ah, mais attends, mais regarde, je regarde le paysage.
Mais j'avais pas one shot tout à l'heure, lui? Oh, ils me font mal. Et le corps à corps, c'est une très mauvaise idée. Hein. Vraiment, dans le jeu, il faut pas. Hein. Du soin. Oulalalala! Oulala! Oulala! Aïe, aïe, aïe! Alerte! Oui, il fait peur, lui. Ah, en plus, il se protège! Putain. J'ai plus de mana. Catastrophe. Voilà. Oulala! Ouais, donne-moi un gros cœur, ouais. Petite sauvegarde. Allez, hop. Ça, c'est une amélioration d'armes. Je veux, j'ai dit. Voilà. Ce montage d'objets à la Tomb Raider, hein, ça me fait toujours aussi bizarre. Alors, je vais où? Ah bah, il y a un mec. Ah, mais c'est toi qui fais un bruit pas possible! Putain, mais... Non, mais les ennemis repopent, en fait, c'est pas... J'ai le temps, hein. Flemme. Je prends mon temps. Miam, 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 miam. Ok. Moi, du soin. Il en a eu rien à foutre. Il y en a encore un? Parce que le bruit s'est pas arrêté en fait. Bon. C'est pas grave, vraiment son. Alice Croft. Bonjour monsieur. Comment ça non? Comment ça non? Il me fait non. Comment ça non? Il y a un truc à faire. Oh. Ah bah non, bah je suis déjà full. Ce bruit est très chiant. Hein. J'arrive pas à savoir d'où il vient en plus. Non. Pourquoi non? Bah ouais mais... J'ai pas d'autre endroit. Ah bah si. Allez le couteau là. Ouais, c'est un peu déloyal, hein. Non mais vraiment, le corps à corps dans le jeu, faut pas. Hein. Faut pas, c'est une très mauvaise idée. En plus, ces ennemis vous font mal, hein. Mais viens là! Bah non, j'ai commencé à te tuer, mais attends, tu viens, hein. T'as pas le dress code pour entrer dans la boîte de nuit. Ah, d'accord. C'est pour ça. Ah merde, y a une porte là-bas, j'ai pas regardé. Oups. Ah, il y a trop de chemin, je ne sais pas où aller. Ah, j'ai bien fait d'aller là. What? Non, justement. Ok. Petit F4, ça fait longtemps. Aïe aïe aïe! Ah, j'étais en train de me demander si c'était méchant ou gentil. Attendez. Petite boîte là, vous allez cramer. Tranquillou. Ouais, alors par contre, si je me prends les piques à côté. Alors, la boîte, le Jack in the Box, c'est bien. Hein. C'est F1 pour recharger. C'est bien, hein, mais. ça te crame un peu le cul quand même. Hein. Accessoirement. On va le lancer d'ici. Putain. Non, je suis pas là! Mémère! Putain, mais mes diplômes vont crever! Vas-y, on va tester notre arme. Qu'est-ce que je prends? Putain, je vais reprendre mon bâton de glace.
Putain, ils font mal. Voilà. Petit F4. Bim. Pas besoin de soins parce que je suis trop forte. Pas comme si j'étais morte deux fois avant. T'avais quelque chose à dire? Non? D'accord. Putain, mais cette arme elle est tellement efficace, c'est un truc de ouf. Ouais, mais je voulais tester le Jack in the Box parce que je m'en sers jamais au final, mais. C'est amélioration de quoi ça? Je sais pas. Ça bouffe pas mal le mana, hein. Enfin, comme toutes les armes. Ça. C'est quoi ça? Un levier. Appuie-toi, appuyez levier. Les blancs sont avec toi, les tue pas. Les blancs sont tes amis. J'ai tué des blancs? Ah bon? Qui? Quand? Où ça? J'ai tué des blancs. Dit comme ça, c'est très bizarre. J'ai tué un plan. Ah putain, j'ai même pas tilté. Ah, j'ai ouvert quoi? J'ai pas vu. Du coup, voilà. Je regardais le chat. J'ai pas vu ce que j'ai fait. Ce bruit est très chiant. En plus, je vais pas vous mentir, j'ai eu une migraine toute la journée. Elle est encore un peu là. Ce bruit m'agace. Qui fait ce bruit? Ah! Non, c'est bon. Là, c'est quoi? Bah, c'est rien. C'est encore notre faute. Oui! Ah, si, voilà, ça. Ça a enlevé le mec. F4. Ah oui, donc lui, il est gentil. On joue les blancs. On joue les blancs, donc on agresse pas les blancs! Ça, c'est déloyal, monsieur. Déloyal. J'ai plus de mana. Voilà. Blanc, aide-moi! Oh, ils m'aident pas. Putain, mais... T'es pas censé m'aider? Hein? Oh. Vas-y, protège-moi! Tour! À l'attaque! Ah, il s'en bat les reins, c'est trop bien. Il s'approche de lui comme s'il allait faire un truc, mais... Ouais, ok, il a grogné. Non, mais merci. Merci beaucoup. Coucou Lise, tu vas bien? Ah, mais allez, au fait, Lise, j'ai enfin ton pull. Ça y est. Je l'ai. Je te le fais partir demain, du coup. Ça y est. Désolé pour l'attente. Hein. Ça a été un peu galère. Mais ça y est, c'est tout bon. Ça en bat les pions. Il y a quoi, là? Alors, on touche pas au blanc. Ah, les chevaliers, ils sont trop chiants. Pas les chevaliers, les cavaliers. Pousse-toi! Bah, au moins, il le bloque. Ça m'arrange. Putain, j'arrive plus à le viser. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il se passe des trucs. Voilà, ça y est. Il grogne tout seul. En fait, pour me protéger, mon pion blanc, il grogne. Ah si, mais ils sont morts de quoi, les autres? J'ai pas compris. En plus, il y avait rien. Je suis allé ici pour rien. Oh oui, le pull. Il arrive. Désolé, hein, c'est un petit peu traîné. Mais ça y est, c'est tout bon. Je l'ai. Dans la bonne taille. C'est mieux. Allez, ça, ça meurt. Ça s'est ouvert? Nope. Alors, je l'annonce au effort. Hein. Dès qu'on termine celui-là, je refais Madness. Hein. J'ai trop envie. Quoi, il y a de temps? Mais non, t'étais là tout à l'heure? Je sais plus. Petite raclette devant Nao sur Alice. Devant Nao sur Alice. C'est bizarre cette phrase. Oh, je suis un cavalier. Oh, ça va être plus chiant
pour me déplacer. Donc je me déplace en L. Je vais par là du coup, c'est ça? Alors. Voilà, clairement. Clairement, faut pas que j'aille là. Faut pas que j'aille là. Il y a un trou devant moi. Ouais, ouais. Mais il se déplace pas en L, c'est bizarre. Normalement, c'est trois cases obligatoires. Je comprends pas trop son déplacement. Il y a un truc au-dessus du blanc, là. Non. Ouais, son déplacement est chelou. Ah bah ouais, là, je peux pas aller là. Et je vais mourir, là. Ah. Je comprends pas bien comment il se déplace. Bon, c'est bon, c'est le GG, de toute façon. Ouais. Le GG. Oh là là! Tu te calmes. Voilà, tout de suite. Toi aussi. Vous redescendez tous d'un étage. Pif. Là, il y a quoi? Ça, c'est fermé. American McGee, c'est les élèves de John Carmack et John Romero, les créateurs de Doom. Ah ouais? Ça a été fait par les créateurs de Doom? Sérieux? Je savais pas. Bah merde, attends, je vais où là? Là, y'a que de l'eau. Je vais pas par là. Ici? Ah oui. Putain, mais. Bah, il faut vraiment pas qu'il me touche, hein. Des gars qui ont appris avec eux, on va dire. Ah putain, d'accord. C'est pas le créateur de Doom, des gens qui les ont côtoyés, quoi. Ok, ok. On en apprend des belles. Ah, petite amélioration du Jack. Il va encore plus me cramer la gueule. Qu'au final, il me crame plus moi que les ennemis, hein. Non, 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 non. Oh, elle est efficace, cette arme. Oh là. Est-ce que je l'aime? Bon, même si l'arme de Madness me manque, hein. Mon arme préférée, c'était déjà le groin-groin. Hein, le poivrier. Poivrier, c'est très très cool. Puis le cavalier, du coup. Oui, quand tu veux, hein. Allô? Allô? Ouais. Oui, oui, j'étais là. Vous êtes. Nao sur Alice. Nao sur Nao, alors. Ah, c'est bizarre. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis le moulin en route. Ouais. Et du coup? Et donc? Oula, la musique devient pas cool. Attends, je suis perdu, ça y est. Faut que j'aille où? Faut pas que je repasse par Ça a pas de sens. Ouais, l'eau bouge maintenant. Ah si, faut peut-être que je retourne en arrière, que je passe par le truc que j'avais fait avec le cavalier et tout, en fait. L'autre sur la tête. Attends, on va se regarder quand même. Ah! Je suis tombu.
Ah mais en fait je pouvais passer par l'eau. T'as un chien! C'est quoi comme chien? Je sais pas où je dois aller. Salut? Je suis perdu! Ta la 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 la! Ah bah c'est par là! Enfin, je suppose. Rogue. Rogue? Non, Rogue. Je sais pas lire en plus. Rogue. C'est toi. Votre père était un salaud. C'est la seule réplique de Rogue que je retiens. Hein. Désolé. Hein, mais... Pou, 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 pou. Qu'est-ce que ce bruit? Oh, non, mes pions! Est-ce qu'on va faire une vraie partie d'échecs à un moment donné? Quoi, mes pions sont morts? Qui a fait ça? Ma souris sort du jeu. Je vais devoir refaire ça 50 fois pendant le live. Hein. Je m'excuse d'avance. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ouh, c'est quoi ça? Il y a une grosse langue. Coucou les Fox, il va bien? Oula, ils sont beaucoup. Oh, ils ont ma reine? Je crois qu'ils ont ma reine. Merde. Ma reine ou mon roi? Peut-être mon roi. Ah, c'est vous qui fait. Ok, là vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup. Vous êtes un peu beaucoup, en plus j'ai plus beaucoup de mana. Ah voilà, j'ai plus de mana. Putain. Allez, 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 recharge, recharge. Recharge le couteau. Attends, je peux peut-être reprendre. Voilà. Yes. Ouais, en fait, j'avais pas tilté que me soigner, ça me remontait mon mana. Donc même si ma vie est à fond, je peux quand même récupérer les trucs de vie. C'est dégueulasse. Je connais les échecs, mais je suis pas bon. C'est pas facile les échecs, hein. Vraiment, c'est pas évident, hein. Je me rappelle des règles aussi. J'ai beaucoup joué quand j'étais petite aux échecs. Mon père, il aimait bien y jouer. Et j'avais même, vous savez, les échecs où tu peux jouer contre l'ordinateur. Alors, je le faisais sur l'ordi, mais j'avais aussi un plateau où tu pouvais jouer contre l'ordinateur. C'était impossible de gagner contre l'ordi. Genre, vraiment, c'était... Je crois que j'y suis arrivé une seule fois. Mais alors, je sais pas comment j'ai fait. En fait, je crois que j'ai fait un peu n'importe. C'est ça, le truc. Vite! Aidons-les! Yes! Ça va les gars, tout va bien! Heureusement que j'étais là, hein. Je suis le joker de cette partie. C'est dans cette pièce. Oula, oula, oula! Hop, on récupère un peu de mana. Fameux coup du berger. Alors ça, ça me dit peut-être quelque chose de non, mais alors, je sais plus ce que c'est. Mais non, c'est dur les échecs en vrai. C'est vraiment dur. Hein. Allez, tuez-le! Oh, vous êtes à 15 dessus, vous avez peut-être y arriver, non? Eh ben. C'est quoi ces tableaux? Ils font peur. Il y a quoi de ce côté? Une préférence pour le jeu de dames. Le jeu de dames, c'est chouette aussi. C'est chouette et bah c'est plus simple en fait quoi.
quand même beaucoup plus simple, hein, les dames. Oh, mais c'est moi! Et c'est le chat! Vous savez, je regarde les tableaux, je suis intrigué. Il y a le lapin. Ah, est-ce que c'est Lewis Carroll, peut-être? Pas impossible. C'est plus à quoi il ressemble, le bougre. Le bougre. Il y en a encore un? Ah non, c'est bon. D'accord, les gars. Ok. Ça va, sinon vous avez pris vos pilules ce matin? Hein? Je suis coincé. J'aimerais récupérer le... Bah non, je croyais pas. Attends. Allez, un petit F4 pour le plaisir. Ouais, c'est bien lui? Ah ouais, c'est Lewis Carroll. Ok, ok. Je reconnais mon papa. Ah, oula, ça sent le combat de boss, je sais pas quoi. Attendez, j'ai souhait. Mon père me l'a toujours refusé sous prétexte que j'étais pas assez intelligente pour comprendre. What? Je vous en prie. Les forces de la reine rouge sont puissantes et sans pitié. Notre propre reine court un terrible danger. On va la sauver, t'inquiète. Je l'ai vu se faire capturer, je suis désolée. Sans elle, les rouges vont nous écraser. Nous sommes perdus. T'inquiète. Moi, si je n'arrive pas à traverser ce royaume, je dois retrouver les pièces du bâton de l'œil du bredou locheux. Du Jabberwocky. Libérez la reine Jalis, cela nous aidera. Je ne sais pas. Et votre problème? Eh ben, j'en ai rien à foutre. Les règles? Il n'y a pas de règles. C'est à peine s'il y a une stratégie. Pas de temps à perdre. Lancez un assaut frontal sur le château rouge. Je ne vais pas vous mentir, vous devrez faire face à des pièges mortels et affronter de farouches adversaires en chemin. Dois-je vous être reconnaissant? Ah si, je me rappelle du moment de Madness où on devient énorme et on écrase toutes les autres pièces, ça c'est trop bien. À la guerre, la vérité prime. Il y aura toujours le temps de mentir plus tard. Vous ne serez pas seul face à l'ennemi. Amenez ce soldat jusqu'à la reine blanche. J'ai un soldat pour m'aider? Bah je suis pas dans la merde. Ah non, ah oui, en plus c'est lui! C'est même pas la tour. Trop bien. Un simple pion? Est-ce là tout ce que vous avez à m'offrir? Bah ouais. Je le crains. À présent, repartez. Les tours connaissent le chemin. Super, merci beaucoup pour ton utilité, hein. Non mais... Pour sauver le monde, on va envoyer... toi. Non mais... En plus, c'est pas mon problème à la base, quoi. Je les ai, je suis gentil. Je lui ai raconté mes soucis, il en a eu rien à foutre. Non mais trop bien. Merci. Du coup, je suppose que c'est Lewis aussi là-bas. Il y avait de l'eau avant qui coulait? Du coup, je repars en arrière, en arrière? Je suis censé suivre les tours. Je sais pas, hein, je sais pas où je vais. Je crois qu'il m'a dit de suivre les tours. Donc, je suis les tours. Ah ouais, ça a l'air d'être par là. Regardez, il se défend même pas, l'autre péco. Oh là là. Je peux comprendre. Bon. Ah! Bon, d'accord. Bon, et bah écoutez, je vais à la guerre avec un pion. Avec le bleu, quoi. Avec le bleu. Le petit nouveau. Le petit gars qui a pas de muscles. C'est pas grave. On va se démerder, hein. Toute seule. Échec et mat rouge. Oh, il y a du sang et tout, ça devient un peu plus creepy. Alors, est-ce que c'est du sang ou est-ce que c'est juste couleur rouge, je ne sais pas. Non, 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 non. Putain, dès qu'il y a une cinématique, c'est... Je suis pénible. Je suis désolé, c'est pénible, je voulais dire. Hop, voilà. Aïe, voilà, comme ça je me prends un petit coup au passage. Super. Donne-moi ça. Ils ont dans le fion, les pions. Aïe! Putain, mais ça se fait pas, quoi! Oh non, j'ai plus de mana. Ah bah, j'ai du mana. Aïe. Non, attends. Attendez. Vous allez vous détendre. J'ai déjà plus de mana! Trop cool!
Ah putain, mais il me fonce dedans. Je suis morte. Oui, je suis morte. Bordel de merde. Super. Vous voyez pourquoi il faut sauvegarder souvent? Et encore, on se débrouille bien mieux qu'au début, hein, mais bon. Ça reste quand même pas évident, évident. Petite sauvegarde. Voilà, attends, il y en a un qui va m'arriver dans le baba. On va s'occuper de toi déjà. Putain, il est pas mort quoi! Vache! Cochon! Gruic, gruic! Il est où l'autre? Il est là. Voilà. Putain, ça m'a bouffé tout mon mana. Hein. Entièrement. Heureusement, il y en a ici. Pif. Bon, clairement, ça sent le petit fanart sur le jeu, hein, une fois que je l'aurai fini. Comme ça me laisse le temps de terminer ce sur FNAF. Ça vous plairait un petit fanart sur Alice? Ou 1000 fanarts sur Alice? Un ou 1000? Aïe! Attendez. Putain, mais depuis quand c'est des guerriers de Star Wars, les fous, quoi? Voix bizarre. Mille, ça va? Tu fais un poster, je le prends. Encore de max. Ouais, faudrait peut-être que je pense à tenter les A3 sur Etsy, mais... J'ai vu sur Amazon qu'il y avait des enveloppes format A3. Mais je sais pas ce que ça vaut. Parce que sinon, il y a les tubes, mais... Les tubes, déjà, je suis obligé de rouler votre truc, donc c'est pas ouf. Je vais où, là? Ça, j'ai essayé. Ouais. Petit F4, ça fait longtemps. Je suis la lumière, ma fille. La lumière. Where is la lumière? Dans l'eau? Déjà, je vois qu'il y a du mana dans l'eau. J'ai envie d'aller le chercher, tiens. C'est peut-être vraiment par là, mais oui! Oh là! Incroyable. Ah oui, entrée pour monter. Sur le rouge! Il y a des rouges partout! De l'île de FNAF et d'Alice. Enveloppe, le risque, c'est qu'elle se déchire ou s'abîme. Bah, après, enveloppe. Enfin, les A4 et les A5, je les envoie déjà en enveloppe, hein, ça se passe bien. C'est. Après, là, le truc, c'est que A3, ça rentre pas dans une boîte aux lettres. Mais si je l'envoie en tube, ça rentrera pas dans une boîte aux lettres non plus. Hein. Donc, je sais pas. À voir. Parce que là où j'imprime mes A4 et A5, je peux vous imprimer du A3. C'est possible. Hein. C'est carrément faisable. C'est plus pour l'envoi que je sais pas trop comment faire pour le moment. Et en fait, les enveloppes tubes, c'est pas que je veux pas en prendre, c'est que ça coûte super cher. Donc ça risque de faire gonfler le prix de malade, quoi. C'est ça le souci. C'est pour ça qu'il faut que je... Faut que je réfléchisse, faut que je cherche un peu. Les prêts de Star Wars, mais c'est ça. Ah, amélioration de quoi? Ah, les dés. Les dés que j'utilise jamais, hein. Des Jedi. C'est des Jedi. Ah, mais elle m'a sorti les dés, du coup. Ouais, bah, si tu veux, hein. Mais... Oh, merde! Ma reine va se faire couper la tête! Aïe! Bon, petite décapitation en live, ça vous va, là? Vous êtes bien? Bon bah du coup, bah voilà, il avait qu'à... J'attaque mon démon! Enfin, j'appelle mon démon. Alors mon démon, c'est quand il veut, hein. Mais il est où, mon démon? Une blague? Mon démon n'est pas venu.
à l'aide. C'est censé invoquer un démon. Le dé, il n'est pas venu. On en parle ou pas? Il a pas voulu venir, la flemme, quoi. Les dés peuvent rater. Bah, je sais pas, il y a un portail qui commence à s'ouvrir. Oh! Oh putain! Vous arrivez par deux, vous. Ah, j'ai plus de mana! Ok. Ça explose, ça? Ah non, je voulais essayer. Putain, y'en a un, il me tire d'en haut, là. Il me fait tirer comme un lapin. J'arrive, attends. Ouais, vas-y, fais le malin. Aïe, putain. J'arrive, t'inquiète pas. Ah non, pas vous. Ah oui, ils sont chiants. Heureusement pour moi, il a bugué, lui. Ah oui, les escaliers, c'est compliqué, hein. Alice, celle du jeu. Oh, comment... Pourquoi tu t'es senti obligé de préciser? Oh, elle est jolie cette porte. Petite F4. Ça se passe bien. Et on avance bien, hein. Au moment où je vais dire ça, il va m'arriver une connerie, vous allez voir. Genre maintenant. Ça sent le boss, hein. Ça sent le boss. F4. Ah, je vais combattre le roi. Aïe. Bon, là, j'ai plus de mana. Ça va être un peu plus chiant. Putain, mais j'arrive pas à esquiver. Non mais il fallait pas tout le temps la même attaque, quoi. Mais j'ai même pas le temps de lancer mon couteau, quoi. Ah si, attends, il y a du sang là-bas. Non, je peux pas esquiver, hein. Ça va être compliqué. Il me faut le cœur. S'il y a des cœurs qui reviennent de manière régulière, ça c'est cool. Putain, j'essaie d'esquiver, mais rien du tout. J'essaie vraiment d'esquiver, hein, mais... C'est trop dommage. Oh, c'est trop bête. Oh, c'est bête. Ah, bordel. Oh, mais non, mais ça suffit. Bon, je shoot plus, hein. J'aurais pu one shot, bah ouais. Oh putain. De toute façon, cette attaque, j'ai l'impression que je peux pas l'esquiver du tout, quoi. Ah, attends, le petit Jack, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais du coup, je vais éteindre ses flammes, là, non? C'est peut-être con, ce que je fais. Le Jack, c'est quoi? Bah, pas j'ai... Mais j'essaie de lancer... Ah, j'ai pas assez de mana pour lancer le Jack? Putain, il est relou, hein. Coucou Lord, tu vas bien? Ah.
fais du dégât au moins ou... J'ai l'impression de lui en faire beaucoup, hein. J'ai mal. Je souffre. Mords-le. Ah si, ça y est. Yes. Putain, j'aurais pu le one-shot si j'étais pas tombé tout à l'heure. J'avoue qu'il est chill. En vrai, il est grave faisable. Il n'y a pas de difficulté si tu tombes pas, en fait. Si tu joues aux échecs, tu comprendras. Ah, bah oui, je respawn ma reine. On leur a pris un pion, donc on en profite pour... Vu qu'on est arrivé au bout du truc. Le chapelier! Ah bon, d'accord. Ah, et ben, bonjour à toi aussi. Oh. Le chapelier tentacule? C'est lui?